Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer sur Resident Evil 4, on fait le chapitre 2-3, donc on continue donc la suite du 2-2, et après bah on fera le 3-1, hein, ça paraît logique, ou presque. Alors donc du coup alors, on en était là, on avait récupéré tout ce qu'il y avait dehors, ou presque. En fait je sais pas trop ce qu'il y a dehors, donc du coup je peux pas vraiment vous dire si on a tout récupéré ou pas. Mais en tout cas on récupère ce qu'on avait déjà récupéré. Ouais, donc on a récupéré ça. Donc ça, on s'en fout. Hop. Alors juste... Donc, je crois qu'il y avait rien là. Ouais. Enfin bon. C'est pas grave, c'est parti. On va aller... Ah putain, c'est super long ici. C'est un truc de fou. Bon alors, qu'est-ce que t'as à nous présenter toi? Il va y avoir des gars... C'est pas une mitraille qui va m'aider quoi. Putain, t'as pas le nouveau sniper là? Pas encore, putain. Ah là là, non 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 non. Ah, j'hésite à le prendre celui-là, là. Il fait du dégât cet enculé. Bon. Est-ce qu'on peut pas améliorer quelque chose là-dedans? Bon, à la limite. Allez hop, voilà. Bon, du coup, ça dégage. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est parti. Donc par contre là, on va à droite ou on va à gauche? Parce qu'à droite, c'est chaud quand même à faire. Donc d'abord, on va commencer par la gauche, puis après on ira à droite, je pense. Oh, on va faire comme ça. On va faire comme ça, c'est parti. Donc là, on va à gauche. Bien sûr, je vous dis pas qu'est-ce qu'il y a à droite, qu'est-ce qu'il y a à gauche. Hein. Vous découvrirez par vous-même. Et ouais, je suis un connard, je sais. non, je crois qu'il n'y a rien du tout. Bah, c'est bien ce qu'il me semblait. Hop, c'est parti. Alors, par contre, là, c'est le carnage. Voilà. Oui, si t'as envie. Bon, par contre, c'est pas que. Voilà. Voilà, c'est juste que. S'il faut être caché, ça m'aiderait pas mal. Salut toi. Et hop. Ferme ta gueule 2 secondes. Ouais non non par contre là non. Oh. Et je tire pas dessus. Putain mais ça a tiré où alors là? Putain. Tu vois ça doit bugger, je sais pas, il y a un problème quoi. Allez, utilise-moi ça. Bon. Merde. Ah putain, je fais n'importe quoi. Mais c'est joystick là, il me saoule là. J'arrive pas à le guider. Ah ouais non mais c'est hallucinant. Et faites gaffe les gars. Si vous me tuez, attention, moi je vais m'énerver. Hein. Bon. Hop. Oh, je croyais que j'étais passé par-dessus quoi. Mais si what? Qu'est-ce qui se passe? Bon là par contre, c'est pas que ça va être chiant, hein. Voilà, donc pour ceux qui savent, ils savent très bien comment ça va être chiant. Mais bon. C'est pas grave, hein. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que... Putain. Oh là là, c'est pas possible. Tu fermes ta gueule toi déjà. Oh, tourne joystick à la con. Pas aussi fluide que sur les Call of Duty par exemple. Hein. Non, enfin bon. Voilà. Là. Bah on va d'abord fouiller un petit peu. Et puis après, bah, on ira au milieu là. Bah oui. Bon. Ouais, donc on prend la vie. Ah oui. Hop, tu fermes ta gueule 2 secondes, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et bien voilà.
Bon, bah du coup, maintenant on va descendre. Hein. Ouais, attends. Ok, non. C'est bon, pas de soucis. Oxy, hein, putain. Ah, enfin, je sais plus. Je sais plus vraiment, je sais plus. Putain. Ah ouais, non, voilà, d'accord. Je confonds avec autre chose. Pas de soucis. Ok, alors juste ici, il faudra... Enfin, pas ici, ici, mais... par la suite, dans l'endroit ici, là, il y aura des... Enfin, il y aura un bijou pour aller sur le masque. Donc, du coup, il faudra y penser à y prendre, quand même. Alors... Ce qu'on va faire... Parce que j'ai pas trop envie de me faire chier. Ça, on est sûr qu'il monte pas par là. Ouais, je me prépare. Putain, j'ai pas de plante jaune quoi. Ouais, je vais prendre ça de toute façon. Ouais, j'aurais peut-être dû l'améliorer un peu. Elle. Ah putain, fichu. Bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Voilà. Il y en a déjà une, c'est déjà bien. Puis il y en a une deuxième qui arrive. Voilà. Il faut faire très gaffe ici. Dégage. Voilà. À la limite, je préfère me faire taper que qu'elle monte en haut. Eh gros, non, c'est pas bon ça. Vas-y, va te faire foutre. Bon. Je vais recharger vite fait. Ah par contre j'ai plus de vie, plus rien. Ah ouais, putain, j'ai pas le droit à l'erreur là, j'ai pas le droit à l'erreur. C'est trop chaud. Vas-y. Arrête tes conneries toi. Non mais c'est dégueulasse. Eh, je tire dessus là, putain de ta mère. Combien il y avait de chances que l'autre elle se transforme pile quand il fallait pas quoi. Ah, ça m'énerve ça. Bon bah c'est pas grave les gars, allez c'est parti. Voilà donc re tout le monde. Hop, voilà donc en fait j'ai pris la mitraillette tout à l'heure mais vaut mieux prendre le pistolet en fait. Je sais même pas pourquoi j'ai pris la mitraillette parce que j'ai oublié ce qui m'attendait juste après en fait. Et vaut mieux prendre le pistolet, franchement je vous assure que ça peut être que mieux. Ok d'accord. Et toi tu vas juste te calmer. Hop là, attends. Ils font les malins là. Oh putain merde ça par contre. Voilà, on va se calmer. Ah ouais non, ça par contre c'est vrai que c'était pas vraiment prévu que ça leur fasse. Parce que l'autre en fait il s'aveuglait mais genre en un coup quoi, là rien du tout. Juste comment faire. Ah j'hésite. Bon de toute façon j'ai pas le choix. Yes. Je savais pas si ça allait fonctionner. Mais bon ça fonctionne. Elle, elle plaisante pas. Ce qu'on va faire. Voilà. On va reprendre le pistolet. Là normalement c'est un bijou. Okay. Oh parfait, elle s'est prise dedans. Ah non c'est la clé. Eh hey, casse-toi toi, est-ce que je t'ai fait quelque chose moi? Ok ok. Ok c'est bon, on se casse. Vas-y, on reprend. On reprend les grenades incendiaires. Allez, go! Yes! C'est bon, les gars, c'est bon. On a géré là. Putain, dit. Oh là là. Eh, je sais pas si j'allais y arriver. Si, c'est bon. Ah, donc deux grenades incendiaires. Puis deux. Bon, ouais. Grenade aveuglante, pas forcément. Mais au moins grenade incendiaire, franchement. J'aurais peut-être pas dû utiliser les. Ah, putain. Eh, vas-y. Franchement, arrête tes conneries, mon gars. Non mais tu veux jouer à ça? Ouais non je peux même pas.
T'as de la chance que je peux pas, mon gars. T'as de la chance, que l'on cul, merde. Toi, arrête de me saouler. Non, mais t'es sérieux. Eh, mais il me saoule, mon gars. C'est un truc de fou. Vas-y, ta gueule. Allez, calme-toi. Ah ouais. Quand ils vous énervent comme ça, vous les shootez, mais comme c'est pas permis. Oh, mais si tu tires à côté aussi, ça va pas le faire. Hein. Voilà. Putain, il leur faut des balles. Hein. Enfin bon, vas-y, viens là, toi. Plus de danger, plus rien. Mais bon, le pire n'est pas encore là, quoi. Enfin, après, il va y avoir quand même quelque chose d'un peu plus compliqué. Ça va être chiant, quoi. Donc du coup, une fois qu'on a fini ça, bah on va descendre en bas. Attends, juste au cas où. Mais normalement, non. Ok, voilà. Donc il me semblait bien qu'il n'y avait pas que dalle. Donc du coup, on récupère quand même ce qu'il y a ici. Ça fait toujours des trucs en plus. Ok. Ok. Bon, normalement, on peut y aller. C'est bon, elle est là, non? Oh, tu me casses les couilles. Ni 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 ni. Allez, viens là. Voilà. Donc, du coup, bah, on va récupérer le bijou que je vous ai dit qu'il était là. Bon, il est pas là, hein, vous inquiétez pas. Juste pour voir au cas où. Non, c'est bon. Ok, donc, en fait, il est dans l'endroit, là, dans le bâtiment. Et il suffit de traverser, là. Et après, bah, vous le verrez, il est au fond. Il est là-dedans, dans les tonneaux, voilà. Hop. Bon, là, il y a une grenade. Tiens, ça tombe bien, j'en ai besoin. Et là, le fameux bijou. Donc du coup, maintenant, bah, on va descendre au sol, parce qu'il y a une grenade. Donc c'est très important pour le boss final. Hop. Voilà. Ah ouais, non, c'est pas la grenade, c'est là. Voilà. Donc du coup... Oh putain, j'avais oublié ce truc-là. Hein. Pourtant, je viens d'y penser juste avant. Mais je savais plus où c'était. Bon. Ok. Alors là, ah oui, ah, j'ai dit qu'il n'y avait plus rien, mais en fait, si, il y a encore quelque chose. Ah, Yesta, rien du tout. Vas-y, cache-toi. T'as le démon, là. Avoue, t'as le démon, putain. Allez, casse-toi. Connasse. Ok, ça servait à rien. Non, mais je recharge à ce moment-là, moi. Mais c'est quoi ce délire? Putain, combien il y avait de chances que je recharge à ce moment-là, franchement? Ouais, mais vous voulez jouer à ça? Mais... Non, mais on va jouer, les gars, y a pas de soucis. Hein. Regardez, moi, il suffit que j'aille là-bas. Vous inquiétez pas, que je vais vous niquer en deux zones chrono. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, on va peut-être reculer quand même. Arrête tes conneries, oh! Bon, contre l'autre avec sa hache, là, il va me saouler. Pas pourquoi, mais je le sens bien. Non, 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 touche-moi pas. Oh là là, il est pas rapide. Et tape, tape. Oui, c'est bon ça. Là, par contre, on est obligé d'utiliser munitions parce qu'il y a tellement de mecs. Allez, go go. Non, 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 non. Arrête tes conneries, putain. Eh, c'est chaud. Arrête tes conneries. Allez, tire, tire, tire. Putain, heureusement qu'il est pas réactif, ce mec. Oh là là, dis. Eh, c'est stressant, le jeu. Ça, j'ai perdu aucune vie. Putain, j'ai de la chance, hein. Bon. Donc du coup, elle est ok. On a juste débloqué. D'accord. Tu veux jouer à ça? J'ai de la chance. Ah vas-y, ça m'a saoulé. Ouais, c'est bon, non mais tu m'as saoulé. Putain. Tu joues à ça? Pas de soucis. Voilà, c'est gratuit. Hop là, tu fermes ta gueule. On te vient là. Ah d'accord, quand je suis en train de viser. Eh merde. Oh ouais. Heureusement que les autres ne sont pas transformés parce que sinon. Bon.
Donc du coup après on va faire l'autre porte. Donc on va devoir revenir en arrière. Hop, voilà. Mais bon c'est pas très loin. Hein. Je vous ferai un. Ah mais encore ça s'appelle une éclipse. Une ellipse plutôt. Une ellipse. Donc du coup, on prend ce qu'il y a, enfin le peu qu'il y a. Voilà. Ok. Donc moi je vous dis à tout de suite. Attendez. Avant de partir quand même. On va ouvrir ça. Voilà. Donc là de l'autre côté, il y a la suite, tout ça, mais je vais pas par là. Moi je vais aller par l'autre côté. Donc du coup, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Ouais, donc re tout le monde. Donc du coup j'étais en train de me demander si je faisais au lance-roquette. Ou si je le faisais au pistolet. Et j'ai justement ouvert mon inventaire pour savoir combien il me restait de balles de pistolet. J'ai remarqué qu'il me reste vraiment que dalle. Hein, que dalle, voilà. C'est vraiment pas beaucoup ce qu'il me reste. Donc du coup, je vais le faire au lance-roquette. Hein, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je peux pas le faire à mitraillette parce que j'en ai vraiment besoin pour ce qui arrive. Et donc du coup, j'ai pas le choix. Donc c'est parti. On va aller voir le marchand. Et on va acheter ce qu'on a besoin. Voilà, hop. On va juste prendre un spray aussi en même temps. Merde, attends. Hop. On fait ça. C'est parti. Mais surtout avec mon bouton qui bug, je vous dis pas que ça me fait plaisir de prendre le lance-roquette. Hein. Enfin bon. Du coup, on va voir le marchand. Welcome. Welcome, mec. Alors, qu'est-ce que t'as à nous présenter? Non, ça, c'est pas nouveau. Hein. Ça fait je sais pas combien de temps que... Enfin, aussi, c'est nouveau, mais... Enfin, bon. Donc, du coup, est-ce que j'ai la place? Ok, parfait. Ok, voilà. Donc, du coup, je me prends juste un spray. Voilà. Sans que j'en prenne un autre. Juste, je vais optimiser ma TMP. Ah ouais. Bon, ce sera déjà mieux que rien. Bon, à la limite, je... Ouais, non, ça sert à rien ce que je... Ouais, non, c'est tombé. Bon, c'est pas grave. Alors, donc, du coup, on va juste reprendre ça, voilà. On va vendre les munitions de fusil à pompe. Ah, après, il y a d'autres choses, normalement. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est un petit rubis. Voilà. Et après, le reste, pour l'instant, on n'y vend pas. Parce qu'on peut encore le vendre plus cher si on récupère les autres objets, voilà. Donc, du coup... On a ouvert de ce côté et on va vite et ben tuer le boss tout simplement. Donc on a un joli petit lance-roquette pour nous aider. Ce qui est relativement pas mal. Je vais quand même essayer une fois. Voilà, je vais essayer une fois de le faire au pistolet. Si j'y arrive pas, et ben c'est pas grave, je le tuerai au lance-roquette. Et voilà, donc on verra bien. Parce que en fait, il faut tirer là-dessus, là, ça l'affaiblit, quoi. Donc on verra bien, voilà. Donc on va voir ça. C'est parti. Attends, juste avant, quand même. On va se mettre bien. Voilà. Non, bah bon, ça évite quand même de se faire chier à faire au couteau, quoi. Enfin, à perdre du temps, quoi. Par contre, t'es très moche, en fait. Ta tête, quand on la voit de près, c'est... C'est hallucinant. C'est très très moche. Ouais, viens ici, tu vas encore mourir, toi. Vas-y. Putain. Ouais, j'ai pas réussi, les gars. Sérieux, là? Toi, tu casses ce truc comme ça, quoi. Genre, nos soucis. Comment t'arrives à me récupérer? Ah ouais, non mais là ça va pas le faire. Bon. Ok. Vous savez quoi, on va utiliser le lance-roquette parce que je le sens pas. Merde. Là par contre je suis dans la merde. On va juste utiliser ça. On prend notre roquette et on va vite courir. Putain, j'ai pas réussi. Chaud là.
Vas-y, casse-toi, tu m'as saoulé. C'est bon. J'ai perdu de la vie pour rien. À tenter des trucs à la con. Ouais, gros, enlève ce putain de... Putain, c'est pas possible, là. C'est quoi ce jeu? Eh, ça me casse les couilles, mon gars. Putain, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Bon, bah là, voilà, la première mort. La première mort de ce putain de jeu de merde, là, putain. Quand ça se fait qu'il est si rapide, ce fils de pute, là? Ah, ça m'a saoulé. Non, mais ça m'a saoulé, franchement, et c'est hallucinant, ça. Voilà, maintenant, il va y avoir un vieux 1, quoi. Putain. Oh là là. Pff, ouais, c'est chiant. Hein. Et viens là, toi, espèce de grosse pute, va. Allez, va te faire foutre, salope. Putain, la prochaine fois, je te balance le lance-roquette dans ta gueule, tu vas voir. Ouais, bah, du coup, on va essayer, hein. Ah non. Ah ouais, non, t'es comme ça, toi. Ok, mais pas de soucis. Bah, tu sais quoi, moi aussi, je suis comme ça, regarde. Connard, putain. Eh non, mais le mec, il se prend une grosse... Grosse truc dans la gueule, s'en bat les couilles, tu sais. Non, mais c'est bon, quoi. Il y a un moment, il faudra tout se foutre de ma gueule. De toute façon, je me fais rembourser, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, presque remboursé. Bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Et bon, ça me fait chier d'avoir une mort, quoi. C'est dommage. Bon, du coup... Mais pourquoi je recharge, moi? Putain, je suis en vrai teubé. On va prendre tout ce qu'il y a là-dedans. Ouais, on va tout prendre, de toute façon, parce que... On va ouvrir la porte. Voilà. Ok. On va aller où, du coup? Ah, ok, d'accord. On va d'abord tout récupérer, effectivement. Ah, arrête tes conneries. Ok, donc juste... je crois que c'est là. Non, c'est pas là. Hein. Ouais. Ça m'étonnerait que ce soit là. Voilà, on récupère la clé. Voilà. Hop. Ce qui est chiant, c'est que... Il y a des fois... Bon, enfin, il y a des fois, par exemple, quand je vais assez rapidement avec les armes illimitées, tout ça. Enfin, bon, je tue vite fait le gros, puis je prends tout ce qu'il y a là. Puis après, je me barre de l'autre côté, et puis j'y vais, quoi. Donc, du coup, la clé, j'utilise pas, et elle reste dans mon inventaire, c'est très chiant, quoi. Mais bon, là, de toute façon, je vais l'utiliser, donc du coup, je peux la prendre, y a pas de souci. Ah, ok, donc c'était bien là. Ah, ouais, sauf que là, c'est pas le bijou. Si? Ah, ok, c'est bon. Nickel, voilà. Donc, du coup, après, on va pouvoir vendre le bijou. Ce qui est relativement pas mal, hein. Enfin, le bijou, le masque plutôt. Et vous verrez que ça va faire pas mal d'argent. Comme ça au moins. Et ben on sera bien friqué. Déjà que là on a déjà pas mal de sous. Bon. Ouais non, ça sert à rien. On sort au couteau. Voilà. Et donc du coup, bah ouais non, là il y a rien je crois. Ah attends. Normalement il y a des trucs là. Non? Ah bah non. Je croyais. Juste toi. Non. Voilà, donc du coup on utilise la clé. Il n'y a pas de... Ah si, là, je sais, ouais. Là, il y a une... comment ça s'appelle? Une plante jaune. Faudrait que je la récupère. Donc du coup, on va la récupérer juste... on récupère ça. Je crois que c'est le dernier de toute façon. Bah ouais, parce que tout ça, on arrive au... On arrive au... Comment ça s'appelle déjà au... Voilà, donc on a tout récupéré. Et là, on arrive au... Je sais même plus comment ça s'appelle. Au château, je crois. Ah non, c'est balle de sniper. Ah, je me suis trompé. Pourtant, j'en suis sûr d'avoir un... Ah, dommage. Mais c'est obligé, il y en a une, de toute façon, ici, de plantes jaunes, c'est obligé. Il doit en avoir une vers là ou là-bas. C'est obligé. Et bah, il n'y a que des balles, en fait. Bon. Ici, il n'y a que des balles. Ah, il n'y a même pas les balles, tiens. Oula. Je pars en fumée, moi. Enfin, bon. C'est pas grave, hein, c'est pas grave. Ça fait quand même beaucoup de boss, hein, dans ce... Dans ce chapitre, ça fait beaucoup de boss. Ouais, qu'il y a des sous, ouais. Je m'en fous complet. Bon, qu'est-ce que t'as à me présenter, toi? T'as quelque chose de nouveau? Je parie que non, hein, comme d'hab. Ok, il va falloir passer le chapitre pour avoir quelque chose de nouveau. Ouais, donc là, je vais quand même prendre un spray parce que bon. J'avouerai que ça va être chiant, quoi. Les lunettes. Ouais, bah putain, je suis obligé de reprendre un lance-roquette, quoi. Sinon, je suis obligé, les gars, je suis obligé, je peux pas faire autrement.
Je peux pas. Ce serait trop compliqué. Ouais. Bon, c'est pas grave, hein. On rangera plus tard. Donc du coup, on va vendre les munitions de fusil à pompe. Comme d'habitude, c'est le même rituel. Bon, c'est sûr que ça serait plus simple en ayant le fusil à pompe, hein, mais bon, voilà quoi. C'est bon. On va pas se faire chier avec un fusil à pompe. Ah oui, donc on peut vendre ça aussi. Donc vous voyez, on peut le vendre 20 000. C'est relativement pas mal. Et donc lui, il nous en manque plus que un, et on va le chercher justement. Donc là, par contre, le chapitre va se finir dans un petit moment quand même, parce qu'il y a tout un truc à faire. Et c'est plutôt long quoi. Mais bon. Allez, j'y peux rien. Voilà, donc là, là-bas, vous voyez, c'est la porte. La porte, la première chose qu'on a fait là avec les deux. Deux tronçonneuses là, enfin les deux. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Ok, ouais, donc c'est là. Normalement, je crois qu'il y a une plante là. Une petite plante. Eh ben non. Du fric, et encore du fric. Ah là, j'ai trop de sous, t'sais. Mais ça va nous servir, ça c'est clair. Bon, ça sert à rien d'attendre. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais... Voilà, donc voilà, à chaque fois qu'on fait tomber quelqu'un... En fait, elle check, je sais pas comment on dit. Enfin bon, elle valide, quoi. Avec son bras droit. Vous voyez, hop, elle fait une petite validation. Je trouve ça amusant, quoi. Enfin, je trouve ça quand même bien pensé de la part des créateurs, c'est assez marrant. Moi, j'ai déjà réussi à en faire tomber un au niveau de là-bas, là, sur le sol, là-bas. Et en fait, je crois qu'il traverse le sol. Un truc dans le genre. Bon, enfin bon. Putain, un objet d'attente, c'est très long. What? Ah merde, je vais complètement oublier. Qu'est-ce que t'as là? Oh là là. Eh, ils sont méchants avec moi. Hein. Franchement, je viens tranquille, je cherche pas. Enfin, je cherche pas la merde et tout. Et puis eux là. Ils sont méchants comme c'est pas permis. Ah, donc du coup. Une fois qu'on est là, bah on continue tout simplement. On va passer par la fenêtre, ça sera plus rapide. Hop là, on va prendre la grenade aveuglante. Ça sert toujours de toute façon. Je crois que là il y a une plante. Ah mais il n'y a jamais de plantes, c'est hallucinant ça. Putain, trop désespéré. Au moins une plante jaune. Putain, il y en a bien une par ici quand même. Bon toi tu restes là parce que sinon je vais être dans la merde. Tu vas encore crever. Vas-y gros, lance. Putain, je l'ai même pas entendu lancer. Et what? Mais je suis vraiment trop un débile. Oh. Oh mais c'est hallucinant. Oh putain, mais j'ai jamais vu ça quoi. Putain, j'avais pas entendu lancer le mec. Allez toi déjà tu vas te calmer. Hop là. Oh non, pas ça. Oh, j'avais pas besoin de ça franchement. Puis j'ai plus de vie là. On voit même plus ma vie tant que j'en ai plus. Et oh, arrêtez conneries, arrêtez conneries. Arrêtez. Arrête tes putains de conneries. Voilà, va vers l'arrière au lieu d'aller vers l'avant, espèce de bouffon. Calme-toi. Eh, j'ai dit vers l'arrière, ok. Voilà, change pas d'idée, toi. Hein. Bon, du coup. Voilà, donc le sang est encore frais. Hop, est-ce que le rituel a été pratiqué? Donc non, c'est pas vraiment un rituel, c'est juste que... C'est Ada qui s'est fait prendre par ces connards et donc du coup, ils lui ont un peu niqué la gueule. Que... Coup de hache, coup de machin. Non mais ils l'ont pas tué, mais... Mais bon. On va dire que c'était pas leur idole, quoi. Bon alors donc du coup... bah toi tu reviens avec nous, quoi. Pas avec moi plutôt. Tu reviens avec moi et puis comme ça on va aller voir le marchand. Enfin ouais. Pff. À la limite ça sert même à rien. Salut gros. Putain, ça sert à rien de voir le marchand parce que de toute façon il a rien à nous proposer ce connard. Putain. Alors juste je vais prendre de la vie quand même.
Ah, j'hésite à la prendre. Bah, de toute façon, je suis obligé, sinon c'est trop compliqué. Ah, je sais pas. Ah, puis merde, ouais, c'est bon. De toute façon, je vais en perdre, donc. Alors juste, voilà. Ça rend, on va pas se faire chier. Hein. On va prendre directement la mitraillette. Hein? Alors après, je crois que j'ai plus de place. Mais de toute façon, ça va vite partir, donc. Ouais. Ça va être chiant. Très très. You better stay outside. Ashley, go hide. Yeah. Allez, casse-toi, bim. Donc quand vous voyez que ça fait un écran noir, c'est que le mec, vous avez réussi à l'esquiver, quoi. Sinon, bah, il tape, quoi. Ok. Ça doit faire mal, hein. Ouh, attention. C'est juste une explosion, c'est bon, le mec il se transforme. Non mais bon, faudrait peut-être pas me prendre pour un con quand même. Voilà, hein, donc bon, on va pas se faire chier. Salut gros. Et là, ouais, on a réussi. Il est fini. Youpi. Ouais. Bah non, en fait non. Il est pas fini. Oh putain. Bon. Alors juste avant d'essayer de le niquer, on va récupérer les plantes. Surtout la plante jaune. Hein. Fais attention qu'il nous tape pas. Parce que bon, ce qu'il faut savoir c'est qu'il peut nous taper quand on est en haut. Même quand il est pas comme ça. Il peut quand même nous taper avec ses vieux bras là. Comment ils ont pensé à tout quoi. Bon. Ok. Oh calme-toi. Attention. Oh, arrête tes conneries. Putain, il a failli me taper, quoi. Hop. Hop. Hop là, tu fermes ta gueule. Ah, ça, problème, je peux pas esquiver. Pas beaucoup de balles, hein. Alors juste hop, arrête tes conneries. Voilà, hop, on prend ça, on fait ça et on utilise une petite vie. Comme ça, on est tranquille. M'en fous, tu vas bientôt crever. Je m'en fous. Putain, tu m'as mis rouge, les enfoirés. Ah, recharge. Oui, on a réussi. Ok, donc là, on prend ça. Ouais, bah de toute façon on utilise, hein, on a rien d'autre à faire. Ah non, on n'a pas réussi encore, putain. C'est pour ça que j'ai pu mettre start. Je me suis dit merde, pourquoi je peux mettre start, c'est bizarre. Allez. Putain, je peux pas esquiver ça. À moins de monter, mais bon. Pas envie de me faire chier à monter pour ça. Voilà, là on a réussi. D'accord. Hop, il est mort. Ok. C'est très charmant. Bon. Allez, prends-le. Voilà. Ah, donc c'est pour ça que j'ai fait péter le truc, hein, c'est pour récupérer le spinel. Voilà, donc ça va nous servir. Hein, pour pouvoir continuer et finir le chapitre. Donc du coup on récupère les 30 000, et ouais. Donc ça rembourse intégralement le lance-roquette, ce qui est plutôt pas mal.
Alors là, je crois qu'il y a une plante, non? Non, putain. J'hallucine toujours, en fait. Bon. Du coup. Bon, on va finir chapitre. Donc du coup, on va retourner sur nos pas, c'est parti. Alors juste, j'ai combien de balles? Ah non, j'ai cru, d'accord. J'ai cru que c'était le pistolet, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez m'expliquer? Ok, donc j'ai pas eu besoin de tant de balles que ça. Bon, tant mieux. Donc du coup, comment dire, c'est la merde. Mais non, je reste pas vrai. Ah, ce jeu, quand tu sais jouer, il est magnifique. Hein. Enfin, jouer. Entre guillemets, hein, ça dépend, quoi. Il y a des fois, je fais un peu n'importe quoi. Mais bon. Alors, donc du coup, on vend le spinel. On a oublié de combiner, dommage. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, et comme ça on va pouvoir le vendre 20 000 aussi. Ce qui nous fera pas mal de... sous. Non, je m'en fous de ça pour l'instant. Ok, c'est parti, donc 20 000 encore une fois, voilà. Donc ça va, on... On va dire on farme bien les pétasses, quoi. Ouais, franchement là, ça va, quoi. Ça passe bien. Bon. Ah, plus besoin de lance-roquettes, plus besoin de... Ouais, non, pour l'instant, on a besoin de rien. Là. Non, contenance, on la prend pas maintenant. Et de toute façon, il n'y a rien d'autre. Allez, c'est parti, on y va. On va finir ce chapitre parce que sinon, ça va durer 2 heures. Et... Je pense pas que ce soit super un épisode d'une heure, quoi. Bon. C'est un peu long, quand même. C'est un peu long. Juste un peu. La 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 la. Voilà, bon, du coup, bah voilà, donc on va aller ouvrir la porte, et une fois qu'on a ouvert la porte, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on avance, mais avant d'avancer quand même on dit... non en fait non, attends. Ah ouais pourquoi tiens? Ah oui si, bah d'accord. C'est bon, ah, je me rappelle. Parce que je suis en train de réfléchir à un truc. Je me suis dit il faut qu'on donne l'ordre à Ashley de rester sur place, mais je me demandais pourquoi. Et en fait je me rappelle pourquoi. Ok. Moi j'ai pas eu le temps de lire, si vous avez eu le temps c'est tant mieux. Sinon vous mettez pause aussi, ça peut être pas mal. Ok. Voilà, donc du coup là, on donne l'ordre à Ashley. Ouais, vas-y, je m'en fous. Voilà. What? Ah oui, oui, laisse tomber. Ok, ouais. Donc là... Ah, ça faisait moche là. Ah, regarde que ça fait moche quand on bouge comme ça. Ah non, ça le fait pas, vous. Putain, en fait, c'est mon écran, c'est de la merde. Bon alors, donc du coup... On prend la munition et là on avance. Ouais, par contre je préfère prendre la mitraillette parce que c'est pas que c'est trop risqué après. Mais... Parce qu'il faut bien viser en fait. Voilà. Donc c'est bien de connaître le jeu quand même parce que sinon c'est un peu chiant. Des fois tu peux te faire surprendre. Voilà. Salut gros! Comment t'as fait pour avancer dis donc? Première fois que j'en vois un qui avance si près. Alors juste... Voilà, on la rappelle parce que sinon, encore une fois, il y a un petit piège des développeurs. Voilà. Donc bon, quand t'as tout ça qui apparaît sur la fille, bon, à mon avis, je pense pas qu'elle risque. À mon avis, elle se fait prendre direct et zoup, ça dégage à la porte et je sais pas où il l'emmène. Mais bon. Ah ouais, oui, il la kidnappe. Une fois qu'il l'a kidnappé, ben... Il faut re-aller la chercher. Mais bon, il n'y a pas cette possibilité dans le jeu. C'est soit tu la kidnappes. Enfin, c'est... Ouh, vas-y, recule vite. Soit il la kidnappe et t'as perdu, bah... Soit tu la kidnappes... Enfin, il la kidnappe pas et... Tu continues le jeu. En gros, c'est pas possible de continuer le jeu alors qu'ils l'ont kidnappé. Ouais, gros, désolé, mais là, j'ai pas le temps, je dois finir le chapitre, mais t'inquiète, dans 10 minutes, je suis à toi. Bon, il m'entend pas, hein, mais bon.
Vu qu'il regarde peut-être mes vidéos. Ah mais non, il regarde pas celle-là. C'est sur mon autre compte qu'il regarde. Bon, du coup. Ça fait pas mal de grenades, hein, mais je vous assure que ça va servir. Franchement, ça va servir. Donc très important, ne l'utilisez surtout pas pour des conneries à la con. Faites-vous chier à utiliser des balles de pistolet ou quoi que ce soit, mais pas les grenades, franchement, c'est très très important. Bon, on peut acheter le lance-mine, oui, j'avoue, bon, voilà. Mais moi, j'ai pas envie. Pourtant, il coûte pas cher. Bon, du coup, une fois qu'on a le pistolet, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, je voulais utiliser de la vie. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Eh, franchement, je suis vraiment désolé d'être si lent, mais il y a des fois, franchement... Oh non, 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 arrêtez vos conneries, arrêtez... Oh les gars, oh les gars, les gars, les gars, les gars. Ah, je suis obligé. Putain, ils sont vraiment chiants, c'est un truc de fou. Que des conneries ces gens. Allez, casse-toi, toi. Eh gros, non, c'est pas possible. Allez, casse-toi, casse-toi. Vas-y, on recule, vas-y, on recule, on recule, on recule. Vas-y, on se casse. Bon, pas trop non plus. Ah ouais, c'est vrai, ça, si je me barre, que je les ai pas tués, ça fonctionne ou pas? Ouais, j'ai pas trop envie de tester pour l'instant. Oh, mais il est mort en 2 secondes. What? Non, arrête tes conneries. Non, ça c'est dégueulasse. Putain, t'aurais pu me viser moi, t'as vu la vie que j'ai? C'est vraiment dégueulasse. Eh, mais... C'est des connards quand même. Non, mais vas-y. Putain, deuxième mort quoi. Mais vas-y, mais vas-y. Oh là là. Et on recommence. Tout. Bon, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Hop là. Ouais, donc pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise la mitraillette. Hop là. Donc c'est tout simplement parce que... bah je vais en fait améliorer la contenance. Et donc du coup, bah, j'en profite pour l'utiliser un petit peu. Et donc du coup, après, bah, ouais, je vais gagner un peu de... Ouais putain. Oh les gars, j'ai de la chance. Ouais, comme ça au moins j'améliore aussi la contenance du pistolet. Bon voilà, donc là on récupère le petit bijou. Ah donc cette fois j'ai eu moins de mal. Bizarrement. Voilà, donc du coup bah le chapitre va être fini en fait. Voilà. Le chapitre va être fini. Donc bah heureusement hein, parce que sinon après ça fait je sais pas combien de temps de gameplay. Alors il y avait plus personne hein. Mais bizarrement. You take that one. Okay. Ready? À la maison. Je tiens à dire quand même que c'est la première fois que les zombies s'est parlé dans un jeu. Ouais, donc du coup on sauvegarde. Voilà, 3 morts. Et 3 morts? Là je comprends pas là. Ah, j'en ai eu... Ah ouais, j'en ai eu une là. Une là-bas. Ah ouais, donc 3 morts. Ah ouais, 3 morts. Putain, un truc de fou. Enfin bon, c'est pas très grave de toute façon. C'est juste que c'était beau le zéro, tu vois. Le petit zéro à chaque fois, c'était beau. Bon, donc du coup, maintenant... donc c'est la fin du chapitre. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que je ferai au début du chapitre prochain. Ah donc déjà, bon voilà. Pas non plus tout prendre, hein, mais juste... Quoi, si on va prendre ce qu'il y a là, au moins vous verrez ce qu'il y a. Et donc du coup, dans le prochain chapitre, eh ben, je vais tout simplement améliorer la contenance de mon pistolet. Ah donc du coup j'ai gagné 16 balles, vous voyez. 16 balles gratuits, c'est quand même pas rien. Et donc là je vais gagner 50 balles. Et donc 50 balles de mitraillette gratuite, c'est aussi pas rien. Et donc du coup voilà, j'améliorerai aussi ça. Et très important. Ouais bah ça effectivement ça peut être important. Ça aussi c'est très important. Et aussi non ça je m'en fous. Ça aussi. Et donc du coup très important, prendre le fusil. C'est extrêmement important parce que sinon bah, on est dans la merde tout simplement. Ouais, franchement je vous assure que ça va être très compliqué si on prend pas le fusil.
Et c'est pour ça que j'achète le fusil. Donc du coup, ça nous fait un bon arsenal, je trouve. Et donc la vito, tu vas là. Donc on va juste ranger ça vite fait. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un peu con que je range maintenant. Vu que... je vais pas sauvegarder. Enfin bon. C'est pas grave. On va au moins le mettre. Voilà. Et on va voir s'il y a quelque chose à optimiser là-dessus. Ok, il y a quoi d'autre? Puissance de feu, direct. Allez, bah pourquoi pas. Hein. La graisse, ça sert strictement à rien. La contenance. Ouais, pour l'instant, tu vois, on n'améliore pas. Ok, ça non plus. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, c'est tout ce que j'achète. Voilà. Pour vendre, bah, comme d'habitude, on va vendre ce qui sert strictement à rien. Donc c'est-à-dire le fusil. Non, je... Ok, voilà, donc ça. Bon, en fait, il y a que ça à vendre, ok. Voilà, enfin bon. C'est la fin du chapitre, on va pas non plus tarder sur des trucs à con, donc du coup... Con, donc du coup. T'as vu ça un peu? Bon. Là, il y a par contre, il y a quelque chose de très important. Je crois que c'était le... C'était celui-là ou c'était pas celui-là? Ok, donc c'était pas celui-là. Peut-être celui-là. Ok, donc c'était ni celui-là. Et donc c'est celui-là. Ah, mais c'est celui qui est par terre ou celui qui... Ah, attendez. Ah bah non, donc c'est celui-là. Ah, dis, mais il me troll, hein. Bon, bah c'est celui-là, alors. Voilà. Sinon... Enfin bon. Voilà, donc j'ouvre. Et là, on a... pas mal de pétasses, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, maintenant, on casse ça, pour avoir le spinel. Puis je crois que là-haut, il n'y a rien du tout. Voilà, donc du coup, bah c'est la fin de ce chapitre 2-3, je crois. Donc le prochain chapitre sera le 2, le 3-1, je veux dire. Ouais, tu vois, il n'y a rien du tout. Et donc du coup, bah, j'espère que vous aurez aimé. Que vous avez bien aimé. J'ouvrirai pas. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé ce chapitre, malgré qu'il soit un peu long quand même. Je crois une quarantaine de minutes ou un truc genre. Enfin bon, je sais pas trop, hein, parce que je suis mort entre temps, donc du coup ça fait un peu plus de temps. Mais si j'enlève le décompte, ouais, ça doit faire dans les 40 minutes. Donc du coup, bah voilà, donc c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. Et puis du coup on se dit une prochaine au prochain chapitre, tout simplement, prochaine vidéo, prochain chapitre. Et donc moi je vous dis ciao, bye bye. Je dis jamais ça, mais enfin bon, c'est pas grave. Hey, ciao tout le monde, ciao. Thank you.